c'est Alexandra de Butterflight. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour rappel, je canalise en direct, j'apprends les messages en même temps que vous. Il se peut que tout ne vous parle pas, vous aurez des messages autrement par vos guides. Retour sur la semaine dernière. La semaine dernière, on vous a conseillé de faire des choix en conscience, de réfléchir comment vous choisissez les choses, comment vous avancez dans vos projets, comment vous faites pour choisir vos projets et les différents choix que vous avez à faire pour avancer. Ça a été déterminant, prendre le temps d'y réfléchir, vraiment s'ancrer et se fixer pour pouvoir faire des bons choix sans stress, poser et prendre le temps de respirer. Donc ça, je pense que vous avez compris. Pour écouter votre corps, apparemment, c'est un peu plus compliqué, mais quand vous allez vraiment ressentir la différence entre le bon choix qui est plus du bien-être et le mauvais choix qui est plus de l'angoisse, ça va être une évidence. Ça, c'est sûr. Ok. Quel est le message de la semaine du 5 au 11 décembre, s'il vous plaît, les guides? Maintenant, il est temps d'avancer sur votre chemin, de prendre des décisions. Donc, vous avez vu comment faire les bons choix. Maintenant, il faut vraiment mettre les choses en place, passer à l'action. Des fois, vous pouvez emprunter, après avoir choisi, après avoir vu comment vous devez mettre les choses en place, des fois, vous pouvez emprunter des chemins qui paraissent un peu bizarres à votre entourage, qui paraissent pas du tout ancrés, pas du tout avec leurs valeurs, pas du tout en résonance avec ce qui pourrait correspondre pour eux, mais ça tombe bien, c'est pour vous. Des fois, ça sert à rien d'emprunter les chemins les plus utilisés pour essayer d'arriver au point du point A au point B. Il y a plein de bouchons, on s'est bouché et vous n'arriverez pas au résultat que vous souhaitez. Des fois, il faut passer par A plus, A moins, j'en sais rien, faire des zigzags pour arriver au B et ça se trouve vous allez arriver avant ceux qui étaient partis avant vous par la route principale. C'est pas parce qu'on prend l'autoroute qu'on arrive en premier. Il peut se passer tellement de choses sur cette autoroute, je le souhaite pas, c'est des images, des accidents, des bouchons, etc. Il peut arriver des choses et des fois de prendre on va dire les routes de campagne, d'une c'est plus agréable, ça vous ressemble plus, vous faites des jolies rencontres sur le chemin, des choses qui vous ressemblent plus. Vous n'êtes pas vraiment dévié de votre objectif, mais dans le coup, au final, vous allez pouvoir rajouter des choses à votre projet, peut-être que vous n'avez pas pensé, peut-être que ces rencontres que vous allez faire vont vous ajouter de la plus-value, des partenariats, des choses que, oui, vraiment vous n'auriez pas pensé auparavant et qui va vraiment changer peut-être le résultat de votre projet initial, ou alors va l'améliorer, ou alors va vraiment augmenter son potentiel, ils me disent. Ok. Donc arrêtez de faire les choses conventionnellement. Maintenant il faut vous écouter et faire les choses comme vous le ressentez vous. Si vous êtes appelé par un livre dans une bibliothèque, je sais pas, ou chez quelqu'un ou dans une librairie, il n'y a pas de hasard et c'est qu'il est pour vous, c'est que dedans il y a des conseils spécialement pour vous. Souvent quand un livre vous appelle, c'est une attraction quoi, vous le ressentez, ça peut être autre chose qu'un livre, une phrase ou une pub qui a une phrase dessus et pour vous c'est une évidence, c'est un petit message de vos guides entre guillemets pour vous mettre sur le bon chemin, pour que vous avanciez et c'est pas forcément des choses conventionnelles en fait, c'est pas forcément des choses qu'on voit partout. Et c'est d'accord avec comment vous programmez les choses, c'est d'accord avec vos projets, c'est d'accord avec vous. Tant que vous le ressentez, tant que ça vibre, tant que ça correspond, comme vous savez faire vos choix maintenant, en résonance avec vous et pour que vraiment votre corps vous parle et dise ok ou non, c'est-à-dire votre âme entre guillemets vous donne les bons signes pour avancer dans vos choix. Là c'est la même chose sauf que on vous explique qu'il faut pas forcément prendre le chemin conventionnel comme le parcours tout tracé qui est prévu après l'école, telle école pour pouvoir faire tel métier, etc. Et ça c'est pas forcément vrai.
D'ailleurs, oui, ça a été le cas dans mon parcours. Ne pas faire comme tout le monde, c'est une richesse. Et en plus, ça peut vous apporter tellement de belles expériences, tellement de belles rencontres, tellement de choses différentes qui va vous enrichir sur votre parcours. Et ça, faut vraiment le prendre en compte, en fait. C'est pas du temps perdu, c'est vraiment de la plus-value, c'est ce que j'entends. C'est vraiment quelque chose qui va s'ajouter à ce que vous savez faire ou à ce que vous voulez faire. Par exemple, je sais pas, vous organisez un anniversaire, un mariage, vous voulez apprendre à danser une danse spéciale, vous voulez faire danser des gens qui n'ont jamais dansé, vous allez prendre des cours de danse et tout, ça va peut-être vous prendre 6 mois pour tout mettre en place, mais ça sera pas du temps perdu parce qu'au final, le résultat, ça sera celui que vous voulez, celui de votre projet, celui que vous aurez attendu. Pareil, si vous devez vous reformer, refaire une reconversion. Et en fait, pour arriver au métier de votre rêve, enfin de vos rêves, que vous n'avez jamais pensé auparavant parce que vous n'étiez pas prêt pour arriver à où vous voulez aller maintenant, c'est pas parce que vous vous formez et que ça va durer peut-être un an et demi que c'est du temps perdu. Au contraire, c'est la plus-value que vous ajoutez à votre CV, à vos compétences. Et puis, même si au final, c'est pas le métier que vous voulez faire, vous aurez forcément appris des choses. Donc, prenez les expériences vraiment du côté positif. Voilà. Le chemin n'est pas toujours tracé tout droit pour tout le monde, voire jamais. Ça serait une illusion. Et c'est pas parce qu'on tombe qu'on se relève pas. Au contraire, quand on se relève, on sait ce qu'on veut, on va plus haut, plus fort et on avance mieux. Donc maintenant, ne perdez pas espoir sur vos projets, avancez. Continuez, peu importe votre projet, il y en a eu plein plein d'énumérés, que ça soit personnel, professionnel, amoureux ou je sais pas, festif que vous voulez organiser, n'abandonnez pas. C'est votre objectif, il en faut pour 2023, on le sait, et puis pour toutes les autres années bien sûr, mais pour le moment on va se projeter petit à petit aussi. L'instant présent compte beaucoup et c'est des petits pas qu'on va faire tous les jours pour atteindre notre objectif. Donc maintenant, c'est quelle route vous allez prendre et continuer à y croire même si c'est pas le chemin que tout le monde aurait voulu, ou tout le monde aurait cru. On fait pas toujours les choix conventionnels dans la norme ou ce que la société nous impose. Mais tant pis, on est nous, on est ce qu'on est avec nos bagages, notre passé et ce qui nous est arrivé ou pas. Et on avance avec nos croyances, comment on a été élevé et éduqué. Et on fait au mieux. Tant qu'on fait de notre mieux, bah, que des belles choses peuvent arriver si c'est en conscience et si c'est vraiment ce que vous souhaitez et si c'est en accord avec vous-même. Je pense que c'est ça le message de cette semaine. Les guides nous disent aussi d'apprendre à lâcher prise, qu'il y a des choses qui sont immuables, qu'on ne peut pas changer, qui ne changeront jamais. Et ça, ok, on a compris. Donc il faut vraiment savoir lâcher. Lâcher, ben, comme on a lâché plein plein de choses déjà jusqu'à présent, nos bagages, nos passés, des choses qui nous encombraient. Ils nous disent de lâcher prise et d'apprendre à lâcher ce qu'on ne peut pas changer. D'accepter même ce qu'on ne peut pas changer. Donc, il y a des choses, c'est un fait, c'est la société, c'est notre entourage, c'est les croyances des autres. Mais nous, nous-mêmes, on peut changer, nous-mêmes, on peut prendre des décisions, nous-mêmes, sans penser à notre entourage, à ce qui est bon pour eux ou ce qu'ils aimeraient pour nous. Pour une fois, on pense à nous en premier, peu importe ce que peuvent penser les autres. Il faut croire en nos rêves, croire en nos objectifs et vraiment avancer pour nous, même si c'est pas le chemin tout tracé qu'on nous a conseillé et que c'est pas le chemin qu'on nous aurait conseillé quand on était petit non plus. Si on avait choisi ce chemin-là dès le début, ça aurait été la facilité, mais on est des êtres humains incarnés pour expérimenter sur Terre et donc on continue d'avancer, on continue de faire des choix et on continue de profiter de la vie et des belles rencontres et des expériences qu'on peut faire. Voilà, je pense que c'est vraiment le message de cette semaine. Expérimenter, lâcher prise sur les choses immuables
et avancer. Avancer. Avancer sur notre chemin. Avancer sur notre chemin. Exactement. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager ces vidéos si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, à vous abonner pour recevoir les notifications quand je poste des nouvelles vidéos. Je vous remercie pour les commentaires, les messages gentils que je reçois, les demandes de guidance personnelle. Et je vous dis à la semaine prochaine!